l'entendement spirituel. Enfin, Verset 31 jusqu'au 34e.
Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. Je vais avertir Pharaon. Et je lui dirai. Mes frères et la famille de mon père. Qui était au pays des Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers. Car ils élèvent les troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs. Et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira: quelle est votre occupation? Vous répondrez: tes serviteurs ont élevé les troupeaux. Depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères, et de cette manière, vous habiterez dans le pays des voisins, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Prenons le verset premier du 47e chapitre jusqu'au verset 3. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés au pays des Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays des Gozins. Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: les deux sont bergers, comme les deux nos pères. Il dit encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans les pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le brebis de tes serviteurs. Car la famine ne s'est sentie sur le pays des Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays des voisins. Le peuple s'y rassoit. Et les mots des familles. Pendant que nous continuons avec la lecture, nous prenons 1 Samuel, chapitre 7. Dans une boucana, il faut savoir que ça commence à bien, mon capon à Samo. Il y a ces 5 jusqu'au 7. Donc, Tangi, c'est là mon cœur. Nous t'en qui on a zéla mon cœur à Samo. Samuel dit: Samuel et Aloubi. Assemblez tout Israël à Mitzvah. Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzvah. Retenez le verset 7e. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzvah. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Nous disons que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette femme. Nous avons besoin de la bénédiction. Quand nous lisons, après avoir lu, nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel sur la lecture. Comprenez que ce que j'appelle moi bénédiction de l'Éternel, c'est
c'est l'explication de cette Écriture. Et ça dit Bimbola m'a commis et sans. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que les Saintes Écritures m'a commis et sans. C'était plus profond. C'est un puits profond. Et dans ce puits qui est les Saintes Écritures, il y a de l'eau. Le puits est profond. Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Et quand on est devant un puits profond, il faut nécessairement avoir quelque chose pour puiser l'eau. Si on n'a pas la chose pour puiser l'eau, vous n'aurez pas compris cette eau-là. Je crois que les lecteurs de la Bible sont d'accord avec. Ces paroles n'est pas miennes. Ce sont les paroles de la femme samaritaine. Jean chapitre 12, chapitre 4. Au verset 12e, je crois. La Samaritaine dira à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Non, je remonte même au verset 11e. Le verset 11 dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où auras-tu donc cette eau? Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Remarquez ici. La femme dit que le puits est profond. Il regarde Jésus. Jésus n'avait rien pour puiser. C'est-à-dire, quand on est face à un puits profond, il faut avoir quelque chose qui te permettra de puiser. Alors que dans les Saintes Écritures, ce qui est appelé puits profond, c'est aussi les paroles de la bouche de l'homme. Et ça dit, Proverbe chapitre 18, je crois. Ah, en son 4e verset, les paroles de la bouche d'un homme sont des sons profonds. Vous croyez que les Saintes Écritures sont les paroles de la bouche de l'Éternel? Si nous croyons à cela, nous devons comprendre que les Saintes Écritures, c'est un puits profond. Mais il faut avoir quelque chose pour puiser dans ce puits. Et nous disons que la chose qui peut permettre Nous disons que les hommes
Nous avions expliqué c'est la famille de son père. Vous prenez tout ce monde-là. Les frères de Joseph. Et la famille de son père. Ce sont deux Bambonde. Qui composent la classe de Béchir. Nous avions expliqué. Joseph véritable. Joseph, il y a solo. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous avions expliqué. Les frères de Joseph, dans ce contexte-ci, ce sont les ministres de la parole. Nous avions dit, la famille de son père, c'est le peuple. Parce que nous avions donné la connaissance, ce qui était appelé la famille de son père, qui garde Pierre dans sa maison.
Jésus. Si tu gardes Jésus, tu es un berger, tu es un gardien de brebis. L'affaire de la doctrine n'est pas seulement l'affaire des ministres de la parole. La doctrine, c'est l'affaire de tout enfant de Dieu. Il est vrai que c'est nous qui vous enseignons la doctrine. Quand nous vous enseignons la doctrine, c'est aussi pour que vous puissiez aussi garder cette doctrine. Et je vous bénisse. Ça vient prendre l'église. Ecclésia. C'est une brebis. Ezali pater. Attention. Kasike. Et lui aussi une berger. Azali pe. Je vais prendre les commandes. Le yébo qui se persuader. Pour la condimisa de l'église, Ecclésia, c'est une brebis. Azali Pepate, mais l'église, Ecclésia, c'est aussi une brebis. Azali Pepate, si vous battez l'Ipate, je suis dans Cantique des Cantiques. Azali Nakata, le roi qui toque la balle de l'Ognance. Chapitre 1er, mon caponalimoso. Verset 7, le verset 8. Ah, Zéla Moké, Yassamopé à moi. Écoutez, oui, au Kamalam. C'est l'épouse ou encore la fiancée de Salomon qui parle. Et Zali Mobanda dit top moi à Salomon en Kurba Awa Nanzelamo Yamokapo. C'est la Sulamite qui parle. Et Zali, voici Sulamite. Écoutez, c'est lui. Oyo Yeruka Zali Kurba. Dis-moi. Ah, oh, toi que mon cœur. Yo mon thème à la linga. Où tu fais peintre tes brebis. On l'a dit ça comme pas tes naïwabi. Poser à midi. On peut dire ça comme moi, puisque qui gèle. Pourquoi serais-je comme il est dans les brebis? Jacob est pas la
l'église, comme une brebis, l'église, mais aussi comme étant une bergère. Jésus dans Genèse 29, verset 6e. Ah, mon cadet, il y a tout comme il va aller dans l'Iguane, c'est là mon cœur, il y a mon Thomas. Je remonte même au verset 4. Attends, c'est là mon cœur. Jacob est dit au berger. Jacob est dit son cadet, il est. Mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les champs. Il leur dit, connaissez-vous Laban? Fils de Nakor. Il répondit, nous les connaissons. Il leur dit, est-il un bon centaine? Il répondit, il est un bon centaine. Et voici Rachel et sa fille avec les troupeaux. Rachel, moi, alors, moi, ça, ça, il y a la Bible. Attention. Doctrine, l'idée amène la présence de Dieu
Mais qui régit la notion de la dîme. Et comme ça, on est dans
on n'était pas payé. Pourquoi? Parce que les sacerdotes sont en charge. Il y a changement des lois. Et ils ont dit mon bon ami à mon bec. Vint le trouver dans son logis.
Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. On doit rendre témoignage en cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des choses de Jésus sans pour les prophètes. Les gens confondent les choses. Les gens confondent les choses. Mon boulou. Est-ce que toi tu perçois Yokozwa, tu es de quel type? Jonas, tu es de quel type? Jonas, c'est pour percevoir la tribu. Il doit être de la tribu de Lévi biologique. Ça, c'est pas pour prendre les choses. Wane za koso sur la terre ka kwanza mbe. Nous nous disons ceci. Biso to zali kolo mabo. La notion de la dîme. L'ité a moko na zo. La dîme. Moko na zo. Est aussi appelé. Ebengami. Saya. Ah, li fouti ya kosa la. Ore. Li di fouti. Ah, pona male. Sa mi a pas. La dîme est appelé. Saya. Ah. Ebengami li fouti. Là, je te montre le dîme. Wane na zo peso li kolo. La dîme c'est le saya. Eh, zali pena li fouti ya kosa. La dîme c'est le saya. Eh, zali li fouti ya kosa. Le chapitre 18. Ah. Je suis au verset 31. Nombre 18, verset 31. Vous la mangerez en lieu quelconque. Vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente de la Mais c'est qu'il veut que le peuple fasse.
il va tirer ses larmes. Celui qui avait les
recevez la Bible, selon la loi, avant la loi. Avant les Lévites, mais c'est le avec les siens. Afin qu'ils vont connaître. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous dire. Dans la notion de la Bible. Avec Tali Mokonazo. Quand à cette ligne concerne la notion de la Bible. Avec Tali Té à Mokonazo. Nous avons d'abord. Tosani Naïno. Le brevier. Tosani Naïno. Mère qui s'est l'air. Mère qui s'est l'air. C'est comme ça. Ça, c'est une abomination. Lui qui a perçu la dîme. Yé à soi qui Mokonazo. Mais après mes élèves, ma mère qui s'est l'air. Il y a Lévi. Et Zali n'a Lévi. 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 Va les percevoir. À cause de Mokonazo. La loi. La loi. Mon père connaît le bac et y'a son bon connaissance. La Bible. Vous avez mon connaissance. D'accord avec Mercedes. Les amis, n'aïe, on a mes Mercedes. Sans loi. Ah, ça va, mon père. Il n'était pas de la famille. Ah, ça va quitter les votes. Mais après Mercedes. Ah, si ma Mercedes. La loi vient. Ah, mon père, quoi. Il y en a l'ordre. Qu'on peut s'en montrer. La Lévi. La Lévi. Il y a besoin de mon connaissance. Remarquez le verset 11. Vota la seconde, c'est la. C'est donc la perfection. Ce qui m'a coquillé avait été possible. C'est la grâce. Aïe, ça dit, Adam, c'est la loi.
Mongolo. Adam sera. L'opé Adam Mobeko na Mongolo. Est informe. Nazali ko pia yo sama. Entre la grâce na Mongolo et la loi na Mobe. Celle qui est venue la première. Oui, il y a mort. C'est la grâce. Et ça nous donne. La loi est venue trouver la notion de la dîme et de Melchizedek. Ah, Mobeko ya kokuta. Parce que quand on parle du sacerdoce, c'est qui a changé. C'est quoi? C'est Aaron qui se retire. Oh, y a-t-il qui pour laisser la place à Melchizedek? Ah, pour la confiture à mon Melchizedek. Mais c'est Melchizedek qui est là. Ok,
Il a dit, Les Égyptiens n'aiment pas les bergers.
Moïse. Écoutez Moïse. Voyons Moïse. Exode. Ah. Donnez-moi le fils que 5. Au président pour la prière. C'est important. La permission du président de l'Église. Na mon petit zéla il y a tout le temps oui ok il y a mon nous la question vous allez continuer pourquoi les Égyptiens ne me parlent pas pour la vie mais si puis que mal ingaté papa tu veux vous dire la réponse de Moïse oui ok il y a mon Amos je suis dans Exode dans celui là mon prénom Robin chapitre 8 ah mon capon Amos dans ma version ah na Bible là dans Robin je prends le verset 21 na suis zéla mon qui a tout commis mal dans mon corps. Ah, on a tout compris. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit Pharaon, mais là, qui m'a dit là, on a parlé. Allez, okay, offrez des sacrifices à votre Dieu. Mais bon, on a bambé quand on a fait la Bible. Dans le pays. Parce qu'à 4 ans, on a quitté Moïse. Ah, bon, Moïse. Moïse répondit mais moi, ça y a l'autre. Il n'est pas convenable de faire ainsi. Et pour qui qu'on s'en est matin de ça, bon, bon. Car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Mais tu te comprends, il y a où est-ce que ça fait la des sacrifices qui sont en abomination. Ah, bambé, l'icône est un bon. Alors, Caïn a un bon. Alors, Caïn a un bon.
accueillir son frère.
saisis cette opportunité. Zamba outi boté et la terre a mis au papa. Matin, il dit que ce qui caille, a eu la vie de mon aïe, il pugna et me vient à Kokoma. Et ça, on a un amoyo à Bella, on dit la misère. Zamba teyo. Yes, you are going to be dans la. Alors, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. La victoire de la croix est exercée dans ta vie. On est bon, on va que la victoire de la croix est exercée du monde. On est là, ma casse à l'eau qui doit faire réputation à l'eau qui va tomber dans la famille. Aux autres, les quoi planir, on va les lions, on est terminé pour ce final. Fabi Touba, les lions sont beaucoup à la télévision. On doit s'en amuser. Et si quelqu'un ne soit pas au salon, on doit soigner, on doit souhaiter. Aux autres, vous n'avez que les lions, on peut s'y mettre en demande. Comme il s'en amuse à les orienter. On va en mettre en fond et à toi, il y a une idée. On va vous donner pour saluer, mais on va avancer à un moment. Mais toi, tu n'avances pas. Élève ta voix. Élève ta voix. Pour la mission de tout le monde, il y a une sorte de contrat. Jésus, justifie ton peuple, mon Dieu.
Grâce à nous, nous sommes là, 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 nous sommes là